Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakuluma et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la nouvelle saison 7 qui vient de débarquer aujourd'hui sur console et toute console, donc voilà, toute plateforme. Alors, dans cette vidéo, je vais tout simplement faire deux voire trois parties pour découvrir la nouvelle map de Battle Royale avec vous les potos. Donc c'est parti, on va lancer d'abord en solo. Ah, attendez, je vais juste voir un truc. Mode créatif, il s'agit d'une première version, alors vous pouvez rencontrer des plantages de perte de progression, d'autres erreurs. Ok, donc ça, le mode créatif, je ferai une vidéo plus tard pour découvrir peut-être. Et voilà, donc d'abord là, on va tester la nouvelle map de Fortnite parce qu'il y a pas mal de changements apparemment. Donc je suis pressé de voir. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Fortnite. Donc j'ai joué hier pour finir mes défis, mais sinon c'est tout. Mais sinon franchement ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc mon niveau n'est pas exceptionnel. Peut-être dans le shoot ça devrait aller, mais dans les constructions ça devrait être lamentable. Donc voilà, je vous cache pas que dans les constructions ça fait longtemps que j'ai plus construit donc ça va être compliqué pour moi. Mais bon, on va faire de notre mieux, ok, pas de problème. Alors la file d'attente est pleine, veuillez patienter. Mais t'es sérieux quoi, tu vas me faire patienter combien de temps comme ça là? Ok, donc c'est bon, c'est parti, on va pouvoir enfin découvrir cette nouvelle map. Alors j'ai dû attendre quand même une histoire de 3 minutes avant de lancer la partie, donc j'espère que ça va s'arranger par après. Ok, donc déjà la neige est arrivée, donc il faut savoir que je me suis pas spoil, enfin c'est pas que je me suis pas spoil, c'est juste que j'ai pas suivi l'actualité de Fortnite depuis que Call of Duty Black Ops 4 est sorti, donc je ne sais pas vraiment ramasser un objet dans chaque niveau de rareté. Ah, et me dire les trucs qui sont buggés les mecs. Ramasser les objets directement comme ça. Chaque niveau de rareté. Ok, donc il me manque légendaire et épique. Comme ça, ben vous avez déjà des défis qui sont déjà terminés. Donc ça, c'est stylé, c'est buggé. Est-ce que quand je casse quelque chose, là? Ok, donc voici la nouvelle map de Fortnite Battle Royale, les potos. Il n'y a rien de nouveau. Non, je rigole, si, il y a quand même quelque chose de nouveau. Donc Tilted a été affecté quand même. Hein. Tilted, il y a du verglas, de la neige apparemment. Snoopy Shore aussi a été affecté. Le truc là-haut, le camp de Viking, à mon avis, il doit pas vraiment avoir changé. Polar Peak, ok, donc ça c'est nouveau. Frosty Flag, ça c'est nouveau aussi. Alors je suis choqué qu'ils ont remis Loot Lake comme nom. Je ne comprends pas pourquoi ils ont pas laissé Leaky Lake, surtout en sachant que ça faisait pas longtemps qu'ils avaient changé le nom. Alors ici, Happy Hamlet, attends, il y avait quoi ici? Il y avait les usines ici. Il n'y a plus les usines, ok. Donc le Key Landing a été touché. Fatal Field n'a pas été touché. Salty Spring n'a pas l'air d'avoir été touché. Shifty Shaft, lui complètement il est en plein dedans. Grazy Grove n'est plus là. Grazy Grove est là. Et c'est devenu le Polar Peak. Ok, donc... Ah, what the fuck. Et regardez, ça c'est un... C'est un château fort. Donc ça veut dire que quand l'iceberg qui va fondre, ça laissera l'opportunité, enfin ça ouvrira un passage pour le château fort, si j'ai bien capté. Tu vois ce que je veux dire? On va pas y aller maintenant parce que ben tout simplement il y avait des ennemis. Et comme ça fait énormément de temps que j'ai pas joué, je pense que je ne suis pas à la hauteur de les défoncer. Oh, un petit coffre en haut. Ramasser un niveau de rareté de chaque. Ben voilà, c'est fait frère. En une partie, je finis un défi, c'est magnifique. Fouiller des boîtes en une seule partie, ok. Le nouveau pompe que j'ai ici, franchement, il est trop stylé, je l'ai découvert hier. J'ai vu Johnny34 faire 3 kills d'affilée avec. J'étais choqué. Oh, une piste de glissade. Hein, j'ai entendu un coup. Ok. Donc, juste là. On va aller voir dans ce petit chalet là-haut. Là, ce serait bien qu'ils nous mettent des skis quand même, hein. Parce que là, il y en a là. C'est dommage qu'on peut pas les utiliser, t'imagines, on peut utiliser des skis, mais ce serait trop insane.
On pourrait passer et tout. Franchement, en plus, ce serait trop bien pour le thème de la saison, parce que comme c'est hivernal, ce serait parfait. Alors ça aussi, ce serait bien de pouvoir les utiliser, ce genre de trucs-là, pour voyager, quoi, tu vois, ça pourrait être bien, tu vois. Mais j'ai vu dans le trailer qu'il y avait des skis, hein, je pense. Dans le trailer, j'ai vu des skis. J'ai... Oh. Oh. Oh! Il y a un avion! Ah ouais, carrément! Ah ouais, carrément, ok. Ok, comme dans le trailer, je crois. Ils sont déjà disponibles, tous les avions, c'est magnifique. Alors, lui, j'aimerais bien le défoncer. On va essayer de le défoncer. Franchement. What, toi. Laisse-moi tranquille, toi, mec. Oh, je l'ai défoncé! Ah, oh, j'ai tiré dessus! Il est tombé! Trop faux! J'ai déjà détruit un avion, mon gars. Je viens d'à peine d'arriver que j'ai déjà détruit un avion. Mais t'as vu, je lui ai explosé son avion et directement son parachute s'est ouvert. Attends, on va essayer de détruire celui-là. Eh oh, je lui fais du mal, hein! Je lui fais du mal! Je lui fais du mal, là. Putain, mais vous avez vu les statues de glace? Ah, franchement, elles sont trop jolies. Est-ce qu'on peut les casser? Ah, on peut pas les casser, donc à mon avis, ça, c'est des trucs de défi, ça. Et ça, c'est sûrement des trucs à défi. Alors, le Polar Peak, hein, juste ici, c'est un immense château fort, les mecs, hein, qui va décongeler, et enfin, qui va devenir un château fort dès que ce sera décongelé, quoi. What? Quoi, ce truc-là? Ah, il a déjà été fouillé, je pense. Et là, vous voyez les petites barres là qui viennent d'en bas et qui vont jusqu'en haut? Mais je suis sûr que c'est des trucs qu'on va pouvoir aussi utiliser. Pour l'instant, on peut peut-être pas, mais à mon avis, ça va servir à quelque chose. On dirait des sortes de tyroliennes. Alors, on va essayer le camouflage. Attends, déjà, quand je prends une arme. Ah ouais, regardez le camouflage de mon arme. Ah ouais, stylé, stylé. Alors là, hop, boum! Boum! Je me casse, la zone. Wesh. Elle a même pas vu, quoi. Vas-y, rattrape-la, là. Wesh. Wesh. Dépêche-toi. Voilà. Putain, il m'a fait peur, là. Pourquoi la zone, elle est zoomée en haut à droite? Elle est zoomée ou quoi? Pourquoi il y a une grosse ligne bleue, là? C'est nouveau, ça, ou quoi? Elle est super large, la ligne bleue de la zone. Ok, on arrive à Shifty Shaft. Voilà, Shifty Shaft. Comment il a changé? Oh. Ouais. On n'a pas découvert grand-chose, donc je vais sûrement aller à l'attaque. Et on va relancer une partie, hein. Donc voyons voir qu'est-ce qui aurait pu changer ici. Pas grand-chose. Ok, il n'y a pas grand-chose qui a l'air d'avoir changé, donc on va voyager, hein. Par contre, ça y était pas, je crois, ça. Si, ça y était. Bon, après, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Ok, allez, tue-moi, merci. Nice. Faites des parties avec au moins une élimination. Bah, nickel, j'en ai fait qu'un, donc voilà. On va recommencer. L'objectif, c'est de trouver un avion et de tester ce nouvel avion. Voilà. Ça, c'est l'objectif de cette game. Alors, l'île de départ, est-ce qu'elle a beaucoup changé? On va part un peu de neige rajoutée par ici. Oh! Un petit cabanon là, une petite maison. Alors, quoi d'autre? Le bus. Ouais, en fait, le bus, il a pas changé. Ils ont pas changé le bus. Normalement, ils décorent le bus pour la saison de Noël. Enfin, pour Noël, pour l'hiver. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a juste un petit truc en plus là-bas que j'ai vu, mais c'est tout, quoi. Je sais même pas si c'est nouveau. Ok, donc, si nous faut un avion. Les avions, où est-ce qu'on peut les trouver à ton avis? Peut-être à Polar Peak? Non, peut-être ici. Ouais, on va aller là. On va aller voir ce qu'il y a là. Ah, mais regardez! Il y a des sortes de tyroliennes partout, hein! Regardez, il y a vraiment. Ah ouais, mais c'est sûr, il y a des tyroliennes partout. Regardez. Je sais pas si vous les voyez, mais il y a des sortes de câbles qui passent partout dans toute la map. Franchement, je vois pas trop d'avions. J'ai pas trouvé d'avion. Mais j'ai trouvé un truc grisy gros là. Regardez comment elle est engloutie en fait. C'est devenu un immense terrain de glace.
Et là, ah ouais, ok, c'est le toit, ok, c'est le toit du bâtiment que t'avais. Et est-ce qu'on peut passer en dessous alors? Bon, j'ai vu un mec, j'espère qu'il va pas me tuer. J'ai juste envie de tester. Ah oui, on peut rentrer dans la baraque? Non. Oh, c'est génial! On est dans Greasy Grove, mais dans le sous-sol, quoi. Dans la ville. C'est génial, ça. Trop stylé. Et si je casse là? Vraiment, ce serait de la glace. C'est trop stylé, quand même. Va te faire foutre, hein! Essaye... Vas-y! Meurs! Meurs, sale chouin! What the fuck? Putain, les gens, ils ont vraiment des levels de ouf, hein, 42%. Moi, je lui mets des rafales, je le touche à peine. Lui, il me met une rafale, il me touche direct. Je suis dégoûté. Bon, on va aller voir à Frostyfly. Parce que le bus, il démarre de là, donc on va directement sauter là. Et on va aller voir s'il n'y a pas un petit avion dans les alentours, parce que j'aimerais bien tester, hein. Attends, je suis sûr, dans le hangar, il y a un avion, je suis sûr. Obligé. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé un avion dans le hangar. Ok, nice. Faudrait que je le prenne et que je me casse, mais il y a déjà un type, il est déjà dessus. C'est à gauche. C'est à gauche. Laisse-le-moi, laisse-le-moi. Oui! Oui! J'y suis! Comment je fais pour avancer, bordel de merde? Wouhou! Regardez-moi ça! Et l'autre, il est sur mon truc. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Vas-y, tombe de là! Wesh! Regardez-moi ça, l'autre, il reste là avec moi. Nice. Ok, donc quand t'appuies sur X, c'est pour démarrer. Et puis quand tu appuies sur X, quand t'as jugé les plaines, c'est pour... Oh, mais il a changé! Oh! D'accord, en fait, il est assis avec moi. Ok, nice. On est en solo, mais on joue à deux. Ah, ça me détruit même pas. Ah, c'est parce que j'ai peut-être mis du boost. Eh, mais n'empêche, regardez comme j'ai fait du dégât, là. Dégâts à la baraque. Wouhou! Oh shit! Oh shit! Oh, le type, il est monté avec moi! Il est monté avec moi! Regardez! Oh non, mais c'était insane! Le type, il est monté avec moi, comme j'hallucine, trop stylé. Non, non, vous allez pas me tuer, bande de chiens! Sale Zénith 276. Ah, franchement, c'est stylé, c'est stylé. Il est pas mal, l'avion, il est pas mal. En plus, je me balade avec deux ennemis au canne. Bon, on va aller visiter un autre endroit, voir. Mais il n'y a pas vraiment de nouveau lieu, hein, par le gros bloc de. Le gros château fort, là, plein de glace. Enfin, recouvert de neige. Le frost truc là que je viens d'aller justement là où il y a les hangars des avions. Sinon, il n'y a pas énormément de nouveaux endroits. Hein. Ah si, il y a Happy Hamlet. Happy Hamlet, on n'a pas été. Vas-y, viens, on y va. On va voir ce qui se passe là-bas. Sinon, le reste de la map, il n'y a pas de changement. Hein. Ah, mais en fait, j'avais entendu parler d'un truc ici. Attends. Ah ben non, elle est où la tempête? J'avais entendu un truc, genre, il y avait une tempête qui approchait sur Fortnite et il y avait une île en plus supplémentaire qui arrivait. Mais je la vois pas, donc c'était peut-être du fake. Enfin, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être le truc là, le château fort, peut-être, je sais pas. C'est pas, faudrait que je me renseigne un peu sur le truc. Alors cette tyrolienne, franchement, c'est pas possible. Elle doit servir à quelque chose. Je vais regarder si on peut pas l'utiliser parce que c'est bizarre, quand même. Non mais il est sérieux lui. Putain, va te faire enculer. Hein. Oh je l'ai eu. Oh je l'ai eu. Je t'ai fait sauter mon gars. Ça le recrue. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave. On repull up. On repull up. Donc on va aller à Happy Hamlet. Donc j'espère que je vais pas me faire tuer. On va essayer de tomber là. Ah mais il y a encore les usines là. Enfin, il y a une usine là. Et ce sera notre dernière game. Après, on ira en mode studio pour vous montrer tout ce que j'ai pas pu découvrir parce que ben je me fais tuer ou quoi. Donc là, j'espère que je vais pas me faire tuer. J'aimerais bien essayer des tyroliennes, donc j'espère que cette fois-ci on va pas me tuer, on va pas me plinguer.
Parce que s'il y a des tyroliennes partout comme ça, c'est qu'on peut les utiliser comment, je ne sais pas. On va bien voir de toute façon. Voilà, donc j'ai déjà quelqu'un avec moi là, je vois. Mais ça va pas faire comme tout à l'heure. Non, je pense qu'il s'est barré. Ok, nice. Bon, on va voir comment ça se passe, ça. Mais wesh! On sait pas les utiliser, les tyroliens? Sérieux? C'est trop pourri, ça. Attends, c'est quoi qui tire là? Ok, c'est l'avion. Ok, l'avion il me tire dessus ou il tire sur je sais pas qui. Ah ouais, il me tire dessus. Ah non, ça va. Putain, je croyais qu'il me tirait dessus. Putain, je vais peut-être essayer d'exploser. Oh, mais je l'ai touché! Vas-y, mais ça sert à rien. Je suis en train de. Mais bah, je sais pas combien il y a de vie. Mais je pense qu'ils ont plus de 100 vie, les hélicos. Ouais, je pense qu'ils ont beaucoup plus. Enfin, ils ont moins 150-200 points de vie, je crois, les hélicos. Enfin, les avions. Il y a quelqu'un juste à côté de moi, je l'entends marcher. Je vais garder ma gourde du brave et je vais essayer de tuer ce type-là. What, il est où? Mais moi, les pages, j'arrive pas à m'y faire. Hein. Je comprends pas où est-ce qu'il est. Hein. Ah, ok, il est là. Ok, il me semblait bien. J'étais pas sûr, mais franchement, j'ai vraiment du mal. Il est où? Voilà, nice. Voilà pourquoi je voulais garder ma gourde du brave. Comme ça, ben, je pouvais me soigner dès qu'il m'aurait touché. C'est parfait. Donc là, je suis bien parti. On va pouvoir aller visiter un peu la map. Enfin, Happy Hamlet, là. Et il faudra que je réessaye avec les tyroliennes. Parce que c'est obligé, ça doit bien servir à quelque chose, ça. Oh! Il est sérieux, lui? Directement, il vient comme ça, quoi. S'en bat avec lui. C'est un thug life, en fait. Putain, mais quel connard, il me casse les couilles. Vas-y, bouge de là. Ah ah! Et quoi, qu'est-ce qu'il y a maintenant? T'es où? Il se cache? Je sais pas où il s'est cassé, ce chien de la casse, là. Vas-y, moi, je voulais juste visiter un peu la map, là. Tranquillement, je voulais montrer à mes abonnés à quoi elle ressemblait la map, là, tu vois. Enfin, le nouveau morceau de map, là. Alors, laisse-moi tranquille. Ok, il a pas l'air de me suivre, il a pas l'air de me chercher. Oh, il y a un joli sapin. Regardez-moi ça, le beau petit sapin. Nice, bro. Ok, donc on va enlever ça. Est-ce qu'on peut casser le sapin? Ouais. Ah, ça a fait un bruit bizarre, genre toutes les ampoules, les guirlandes et tout, ils cassaient en même temps que je frappais, quoi. Tu vois, elles se percutaient. Donc c'était assez stylé. Ah ouais. Ce qui serait bien, c'est qu'on trouve un petit avion là. Non? Oh, il y a un quad. Vas-y, on va prendre le quad. Je sais pas, tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe, mais je pense que quand j'ai pris l'avion, bah non, logiquement, il y avait le camouflage qui s'était mis. Comme là, il vient de se mettre sur le 4x4. Enfin, ouais, le 4x4. Le quad. Ok, donc il me faudrait une tyrolienne. Là, je vois qu'il y a des tyroliennes là-haut. Ok. J'ai vraiment envie de tester ça. Je suis sûr faut faire un truc avec. Faut peut-être que j'appuie sur carré ou quoi. Dans cette petite cabane, il n'y a rien. On va essayer de monter sur la colline. Putain, il y a déjà la zone. Fait chier. Je pourrais pas essayer ma tyrolienne. Ah si, quoique là, je pourrais peut-être l'essayer en fait. Allez, on fouille ça. Ah, c'est bon. Quoi? J'ai appuyé sur carré. J'ai appuyé sur carré, ça m'a fait ça. Allez, dégage. Qu'est-ce qu'il y a? Venez, on va vite faire vers Tilted Tower, voir s'il y a du changement. Parce que j'ai pas eu le temps d'aller voir. Donc, à Greasy Grow, franchement, c'est magnifique. Franchement, ils ont géré. Parce que tu peux rentrer dans les bâtiments. Et ça, c'est juste insane. Donc c'est des bâtiments, tu vois, dans le sol, quoi. On dirait un peu des sous-sols, ouais, c'est ça. Alors, dans Tilted Tower, il n'y a rien qui a changé. Oh, c'est stylé, le petit carré de neige, là. Oh! Oh!
Il y a un sapin de Noël. Il y a un sapin de Noël. Ah, ça c'est stylé, c'est bien. Ah, par contre, celui-là, il a une sérieuse base, hein. L'autre, c'est un sapin de tapette, en fait. Mais franchement, essayez de casser un sapin, vous allez voir, ça c'est stylé. Je l'entends, il est là. Putain, ils sont vraiment trop forts et je suis vraiment trop nul. Putain, casse tes couilles. Ouais, mais ça c'est Fortnite, ça. Quand t'arrêtes, genre 2 mois, c'est mort, après t'es une grosse merde. Faut que je me réentraîne, hein. Faudrait que je demande à des abos qui m'entraînent. Ok, donc j'ai débloqué le sac à dos AK-47. Nice. Donc maintenant, je vais juste vous montrer en... Je vais vous montrer... Attends, on va mettre le sac à dos en favori, voilà. Je vais vous montrer la rediffusion pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quoi. Et après, ben, je stopperai la vidéo. Hop, ok, nice. Ok, donc déjà, ici... Il n'y a rien de nouveau, à part ce petit cabanon. Je crois qu'il n'y était pas, ça. Hein. Franchement, je suis même sûr qu'il n'y était pas. Donc, ok, je dois attendre qu'il saute du bus. Ok, voilà. Donc là, j'ai ma caméra. Elle est libre. Donc, on va aller voir un peu ce qu'il y a de nouveau. Donc, on peut déjà voir qu'il y a des tyroliennes un peu partout. Hein. Regardez-moi tous les câbles qui passent. Donc ça c'est nouveau. Franchement c'est bien. C'est bien parce que comme ça d'une zone à une autre on peut se déplacer beaucoup plus vite. Genre parce que les planeurs, les redéploiements de planeurs c'était vraiment bien. Et je trouve que c'est dommage qu'ils l'ont enlevé. Après c'est sûr c'était cheaté. Oh, le château il est détruit. What the fuck. Je savais pas, ça c'est nouveau. Le château a été détruit. Ok. Nice, franchement il est trop stylé. Je sais pas pourquoi il a été détruit. Je sais pas si c'était dans l'histoire que j'ai une histoire de Fortnite que j'ai loupé, mais en tous les cas c'est stylé. Alors what? On dirait que le lama il est le plus grand. Ouais non, c'est un œuf d'optique à mon avis. Ok. Donc ouais, le planeur redéployable c'était bien. Moi je trouvais que c'était vraiment bien. On pouvait se déplacer beaucoup plus vite. C'était vraiment chouette. Alors ils l'ont enlevé après. C'était un peu plus chiant. Je me suis même suicidé plusieurs fois. Enfin, il était toujours disponible. Alors qui nous rajoute des tyroliennes comme ça pour aller d'un endroit à un autre partout sur la map? C'est juste incroyable. Merci Mpingham d'avoir fait ça. Franchement, je trouve que c'est vraiment stylé. Faudrait que Call of prenne un peu exemple sur vous. Hein. Donc ça, c'est une nouvelle plateforme de... Ben, peut-être qu'il y aura de la neige un peu partout. Peut-être que la neige, pendant la saison 7, va se déployer vraiment sur toute la map. Comme il y a des sortes de trucs comme ça. Des trucs de ski, on va dire. Alors, on va aller voir à Tomato. Voir s'il y a du changement à Tomato. Non, il n'y a pas de changement à Tomato. Sauf ce camion de glace là. Je savais pas qu'il y avait un camion de glace là qui était en suspens. J'étais pas au courant de ça. Je l'avais pas vu. C'est quoi, c'est une nouvelle enseigne ça? Do. Job Day. Do Day. Browser. Ok, ça c'est une nouvelle enseigne. Quoi? Il est marqué quoi? Open. Ah non, final. Ok. Je savais pas qu'il y avait ça aussi. C'est nouveau. Une tyrolienne juste ici. Nice. Des tyroliennes un peu partout. Moi, je pense vraiment que la map va être recouverte de neige plus tard. Alors, Salty String, il n'y a rien de nouveau. Mais regardez-moi un peu cette montagne là-bas. C'est juste énorme. Vous avez vu cette montagne? C'est la montagne la plus grande du jeu maintenant. Avant, c'était le château fort. Même pas avant, c'était ça. Le château fort, il était même plus bas que le château fort. Et les mecs, ça, ouais, laisse tomber, gros. C'est insane. À chaque fois, en fait, ils nous gravitent des nouveaux sommets, en fait, sur Fortnite. Ah oui, il y a des tyroliennes partout dans le désert. Regardez-moi ça, il y a des câbles qui passent de partout. Stylé. Ok, mais sinon il y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir de grands changements dans cette map, du côté de cette map. Alors, ma ville préférée, Retairo. Ah oui, regardez ça, c'était une zone infectée. Ok, les zones infectées, maintenant, sont devenues comme ça. Elles sont... L'herbe repousse, quoi. Il y a des couleurs qui reviennent, ok, nice. Il y a plus les, par contre, il n'y a plus les sortes de tremplins où on pouvait se faire propulser. Ça, c'était bien quand même. Bon, enfin, il n'y a plus, mais bon, il y a des autres moyens de transport. Donc ça, c'est cool. C'est cool qu'il y a autant de nouveautés à chaque fois, à chaque saison, qu'ils développent le jeu tout le temps, sans arrêt, c'est cool. Là aussi, il y a plein de tyroliennes. Stylé. Oh! Oh! Il y a une nouvelle tortue! Ça y était pas. Ou alors, c'est que, non, ça y était pas. Regardez-moi ça, la tortue, c'est une nouvelle! C'est Tortank. C'est Tortank de Pokémon, ça. Ça, c'est nouveau, c'est sûr et certain. Alors, il y a toujours le petit camion, là. Hein.
Le petit camion, ça c'est la meilleure cachette de Fortnite, mon gars, vous le cachez juste ici en dessous. C'est juste insane si jamais vous faites un cache-cache. C'est la meilleure cachette de Fortnite. Je fais une vidéo là-dessus même. Donc ça, s'il est toujours. Ouais, je pense que c'était comme ça. Ou peut-être il était en bois, maintenant il est en pierre. Ah ouais, ouais, avant. Attends. Avant, ça c'était en bois, hein. Ou je me trompe. Et ça avait pas cette gueule-là, hein, tu sais. Non, ça avait pas cette gueule-là. Non, non, ça a changé, ça. Ça ressemble quoi maintenant? C'est semblé ressembler quoi, ça? C'est censé ressembler quoi, ça? Enfin bref. Ici, c'est nouveau, ça. Il y avait pas aussi ça, ce petit hangar-là. Oh, c'est plus stylé. Ah non, il y avait pas. Oh, il a plus de toit. Ouais, ça aussi, ça a changé. Et l'architecture, ils ont changé des petites choses, hein. L'architecte de Fortnite, il est passé. Il a dit, hop, on va changer ça. On va changer un peu le design. On va rajouter ça, ça. Au KLM. Non, franchement, c'est cool. Alors, voyons voir ici. Ah, panneau photovoltaïque. Pour l'électricité. C'est bien, ils sont écolo. Ok, non, il n'y a rien. Bah, une petite maison là. Hein. Alors, ça, c'est la nouvelle ville. Comment elle s'appelle? Frostify. Frostify. Donc, il y a un avion ici, un avion dans le hangar. Ici, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est des petites maisonnettes. Ok. Deux étages. Ouais, deux étages. Ici, oh, c'est stylé ça. Attends, ici, ok. Ok. Donc, regardez, c'est stylé ça. Vous arrivez tout en haut. Alors, c'est quoi ça? Une petite maison avec un ordinateur, ok. Une tyrolienne. Attends, c'est quoi ça? C'est pour aller en bas? Non? Non. Ok. C'est quoi ça? Oh, c'est trop stylé. C'est un sous-marin. Un sous-marin qui est échoué. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Quelle question débile, bien sûr que non, tu peux pas l'utiliser, sois cool, t'es sérieux là ou quoi? Voyons voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Ah, il y a ça de nouveau. Ça les mecs, ça c'est stylé. Ça c'est stylé, mais comment tu... Ouais, bah, il va falloir que tu fermes tous les arbres, hein, si tu veux revenir ici. Oh, regardez, on peut descendre jusque là et tout. Oh, c'est stylé ça en fait. On peut aller d'une île à une autre. Ils ont rajouté des petits morceaux d'île, ça c'est cool. C'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y a une petite grotte ici, regardez. Oh! Oh, c'est trop stylé, la petite grotte ici. C'est un nouveau truc secret, la grotte secrète et tout. Ah non, c'est stylé, ça. Allô? Ouais, en fait, j'arrête pas de dire que c'est stylé parce que j'aime bien les nouveautés, tu vois. Mais bon, dans deux semaines, je m'en battrai les couilles, ok? Attends, c'est quoi, ça? Ah oui, ça, c'est la nouvelle ville. Quoi? Oui, c'est la nouvelle ville. Happy Hamlet. Ah, franchement, c'est une bonne petite ville, ça. Regardez-moi ça. Elle est belle. Franchement, elle est belle. Une belle petite ville. Je sais pas de... Ça me fait penser à une ville... je sais pas où, tu vois. Peut-être en Pologne. Je sais pas, une ville connue, tu vois. Avec ça, elle ressemble. Alors, il y a pas la maison du Père Noël? Non? Parce que le Père Noël... on le voit dans le trailer, il est méchant. Hein. C'est stylé. Ah oui, le château. Il est où, le château fort? Ah, il y a encore l'usine ici. Il y a encore les usines. Par contre, elle a été dévastée, hein. Dévastée par un énorme iceberg. Stylé. Ah, ici, je sais pas s'il y avait un truc, là. Je sais pas s'il y avait un truc, hein. En fait, ici, il y avait l'usine à chiottes. Elle a été recouverte. Et ils ont créé une ville carrément dessus. Alors, quand tout ça va fondre, la ville va tomber sur l'usine à chiottes. Ok, donc maintenant, ce que j'aimerais bien voir, c'est le truc là-bas. Parce que c'est sûr et certain, soit ce sera la saison 8, soit ce sera la fin de la saison 7, mais ce putain d'iceberg là, ce putain de truc de glace, il va fondre. Et en dessous de ça, il y a un énorme château, c'est sûr et certain. C'est quoi ce truc là qui vole? Ok, c'est un planeur, tout seul, comme ça. Il y a un fantôme dessus, ok, nice. Alors, ah ouais, on peut descendre. Il y a deux coffres ici. Ok. Alors, ici. Ici, on peut pas descendre. Non, on peut pas descendre. Ah, non, carrément, on peut pas casser le truc là. Ah non, c'est de la glace. C'est de la glace juste en dessous. Ici. Ici, on peut descendre jusque là. Ok. Ouais, donc regardez, il y a des tours un peu partout. Donc, ce que je pense, c'est que l'énorme glace va fondre à un moment. Et que ça laissera apparaître un énorme château. Super, super stylé. J'espère. Peut-être pas, hein. Peut-être que ce que je dis, c'est complètement faux, hein. Peut-être qu'il n'y aura jamais rien. Et que ça va rester comme ça.
On n'en sait rien, mais je suis impatient de le savoir. Donc voilà les potos, je vous ai présenté la nouvelle map. Ah oui, ça, je vous ai pas montré. Attendez, je vous ai pas montré Grizzly Grove. Ah, on peut pas aller en dessous ici. Ah non, on peut pas aller en dessous. Est-ce que là, on peut aller en dessous? Ah non, on peut pas aller en dessous. Et là, est-ce qu'on peut aller en dessous? Non plus. Est-ce qu'on peut aller en dessous? Non plus. Ouais, donc il y a que là qu'on peut aller en dessous. Et ça, c'est juste énorme. Ça, c'est trop stylé, ça. Et regardez-moi, c'est comme c'est beau. Regardez-moi ça, tout est gelé. Tout est congelé. Comme si le truc d'hiver, il arrivait direct. Ah, c'est une fausse porte, on peut pas passer à travers. Enfin, voilà. Je vous ai montré toute la map, enfin, tout ce que j'ai découvert, hein, en même temps que vous. Je sais pas s'il y a d'autres choses, c'est possible qu'il y ait d'autres choses à découvrir. Si vous avez découvert des choses que je n'ai pas montrées dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à propos des avions, de la glace, des tyroliennes. Partagez vos avis dans l'espace des commentaires, partagez vos ressentis entre vous, partagez-moi vos ressentis. Ça me ferait extrêmement plaisir et voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de la nouvelle map vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les potos. Merci à tous, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sois Cool au Mike et ciao, peace.